Good morning, allez, Yidan, les tutos aujourd'hui, le Lunishmat, Mori Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahuda, Sarah Batrana Rachel, Shlomo ben Esther, Risha Batraim ben Nechemia, ainsi que l'Irfouat, Avraham, Mori ben Reout, Petoch, Shah, Chol Israël. Si vous souhaitez, vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Zvachim, Peri Dalet, Mishnah Dalet. Ha'ola, Dama, Matir, Et Besara, la Misbeach, Veora, la Kohanim. Ola Ta'of, Dama, Matir, Et Besara, la Misbeach, Chata Ta'of. דמה מתיר את בשרה על הכהנים, פרים הנשרפים וסעירים הנשרפים, דמן מתיר את אמוריהן לקרב. רבי שמעון אומר, כל שאינו על מזבח החיצון כשלמים, אין חייבין עליו משום פיגול. On touche bientôt à la fin du sujet de Pigoul. Ouais, peut-être encore une Mishnah qui va traiter un peu sur le sujet. Après une Mishnah de conclusion à la fin du Perek, et puis après on va passer à d'autres sujets de Svachim. Dernier sujet de Pigoul, le principe, c'est vraiment évoquer un principe assez connu dans certains korbanot particuliers. Le Pigoul, tout d'abord, c'est quoi faire un Pigoul? Ça, tout le monde doit le connaître parfaitement parce que ça, c'est la donnée de base. Lorsque j'égorge un korban, ou que je réceptionne le sang, ou que je le verse sur le misbéach, avec intention de consommer le korban au-delà des limites de temps permises, alors toute la viande, toute la chair, tout le korban en fait, tout le sacrifice, devient interdit à cause de l'interdit de pigoul. C'est un pigoul, ça a été répugné littéralement. Il y a un interdit particulier dans cette situation. Celui qui va manger cette viande, il sera passible de karet. Un chiouf karet particulier, à la différence de toute mauvaise autre intention, toute mauvaise intention autre, qui va certes invalider le korban, mais qui ne va pas rendre le korban interdit à la consommation par un interdit de karet. Il y aura d'autres interdits, mais pas l'interdit de karet. Ok ? Ça, c'est la donnée de base. On a pris, maintenant, dans la Mishnah précédente, on a surtout mis l'accent dessus, sur le matir, que la condition d'être makriv, le matir, sheikrav a matir ke mitzvato. Une notion qu'on a vue fréquemment. L'akriv a matir ke mitzvato, que dans chaque korban, il y a un échantillon, ce que j'appelais un échantillon représentatif, qu'on va le prendre, qu'on va l'offrir au Misbéach, et grâce à lui, on va déclencher on va rendre le reste du korban permis à être consommé par les Kohanim, ou à faire monter les Evarim, les membres sur le Misbéach, chaque korban selon ses règles, comme on va expliquer justement dans le Mishnah. C'est clair ? Ouais, le principe, c'est important à mettre bien l'accent dessus pour comprendre de quoi on va parler dans cette Mishnah. Donc, dans un korban, par exemple, j'amène un korban khatat. Alors, là, les quatre avodot, shrita, kabbalah, olacha, zrika, j'égorge le korban, je récupère le sang, je l'amène sur le misbéach, le premier sang que je vais verser, lui, va faire que maintenant, le korban khatat que j'ai apporté, il a été un bon, il a été validé, le propriétaire s'est acquitté de son devoir d'apporter son korban, désormais, les Kohanim vont pouvoir manger les parts qui leur reviennent. On va pouvoir disséquer ce korban khatat, apporter les parts, les emurim qui reviennent sur le misbéach, qu'on doit faire brûler sur le misbéach. Alors que tant que le sang n'avait pas encore été versé, les Kohanim n'avaient pas le droit de manger ce korban. C'était pas encore un khatat concrètement. Il avait une gdusha dessus, mais il n'a pas été encore offert. Tant que le korban n'a pas été offert, qu'est-ce qui fait qu'on offre le korban? C'est le sang ou c'est chaque élément, c'est une mincha, c'est le fait d'apporter le kometz. Ouais, la petite poignée, la petite pincée qu'il faut représentative, qu'il faut prendre et verser et jeter sur le misbéach. Et seulement après, on a le droit de consommer tout le reste. On a parlé déjà dans la Mishnah précédente de plusieurs sujets. Et dans notre Mishnah, ça continue un petit peu naturellement avec certains korbanot un peu particuliers. Et où il va falloir sans arrêt mettre en exergue, bien comprendre qu'est-ce que l'échantillon apporté sur le misbéach va permettre. Et donc, on va commencer avec le premier cas. Ha'ola, dama matir et besara la misbeach, veora la kohanim. Lorsque j'apporte un korban ola, ola, ça se traduit par une holocauste. C'est le fait qu'elle monte entièrement à Hachem. C'est marrant d'ailleurs, ola, holocauste, peut-être qu'ils sont un petit peu cousins tous les deux. Ola, holocauste avec un H, probablement, il y a un rapport sûrement. Qu'elle est complètement Ola Lachem, elle monte entièrement, c'est-à-dire il n'y a pas aucune part qui est consommée, il n'y a aucune part consommée par les Kohanim, on l'offre entièrement à Lachem. Malgré tout, la Mishnah vient m'enseigner, sache que le sang que tu verses sur le Misbéach, il va déclencher
la possibilité de deux consommations, si je peux dire. D'une part, le fait de pouvoir ensuite apporter les membres de la Ola, les faire monter sur le Misbéach. C'est-à-dire, tant que j'avais égorgé le Corban, que j'avais le sang, mais que je ne l'avais pas encore versé sur le Misbéach, on n'avait pas encore le droit de disséquer les membres du Corban et de les apporter sur le Misbéach. Qu'est-ce que tu viens faire? Ce n'est pas encore une Ola, tu n'as pas encore fait ton sacrifice. Dès que tu as versé le sang sur le Misbéach, tu as déclenché la possibilité, d'apporter de faire monter les membres maintenant de la Ola sur le Misbéach. Et aussi, et Ora la Kohanim. La peau est offerte en cadeau pour les Kohanim. Entre parenthèses, j'ai pas vraiment compris qu'est-ce que ça fait là. Ça veut dire quoi? Si on mange la peau, il y aura un interdit de pigoule. J'ai pas compris qu'est-ce que la Mishnah a dit ça. J'ai cherché dans les Mefarshim. Ici, c'était pas écrit. Mais bon, c'est un problème personnel. D'accord? En tout cas, dans le passage qui a marqué Vim he achol et achel, il faut nécessairement quelque chose qui est consommable par l'homme, consommable par le Misbéach. Mais qu'est-ce que ça fait là qu'on vient te dire que le sang a permis la peau pour les Kohanim? Était-ce une raison que maintenant ça va devenir pigoule si on a eu l'intention de quoi? D'utiliser la peau au-delà des limites de temps permises? J'ai pas compris qu'est-ce que ça fait là, ce aura la Kohanim, dans la suite logique de la Mishnah. J'ai compris qu'est-ce que les mots veulent dire. Bien sûr qu'une fois qu'on a fini d'apporter le Korban Ola, la peau elle revient en cadeau maintenant au Kohanim. Mais par rapport à la chôte de pigoule, je ne sais pas ce que ça fait là. D'accord? C'était personnel. Enfin, Aola Dama Matiret Besara la Misbeach, Veora la Kohanim. Donc, depuis le moment où on a versé le sang, alors maintenant il va y avoir des. Le sang va permettre la possibilité de faire monter les parts de la Ola, de les faire monter sur le Misbeach. Et donc, si on a une mauvaise intention au moment où on a aspergé le sang, où on a réceptionné le sang, alors on aura rendu un interdit de pigoule sur la viande de l'animal. Celui qui mangera cette viande, il sera possible d'un chiouf karet. Ok? Maintenant, on va parler de Olata Of et Khatata Of. Ouais, si vous faites attention, il y a Olata Of, Dama Matir et Bessara la Misbeach. La Olata Of, lorsqu'on apporte un Of, une volaille, une tourelle ou un pigeon, en Ola, alors le sang que l'on verse sur le Misbeach va permettre la possibilité de, comme précédemment, de faire monter, de jeter entièrement tout le reste de la volaille sur le Misbeach. On ne la dissèque pas. D'accord? Une fois qu'on a fini de lui faire la melika, l'abattage, quoi, alors on la jette entièrement sur le feu au Misbéach. Et le fait de verser le sang sur le Misbéach fait que maintenant on a le droit de prendre cette Ola et de la faire monter. Tandis que tant qu'on n'avait pas encore versé le sang sur le Misbéach, cette Ola, cette volaille, on ne pouvait pas encore la faire brûler sur le Misbéach puisqu'elle n'avait pas encore été offerte en Ola. D'accord? Le principe du Corban, retenez-le bien, c'est important. Le principe du Corban, c'est de verser le sang sur le Misbéach. C'est pas de faire monter un aliment de la viande sur l'autel. C'est le fait de verser le sang sur le Misbéach. De ce fait, vous prenez une Ola, ouais, une volaille que vous apportez en Corban Ola, et ben, vous pouvez l'égorger, mais vous n'avez pas le droit de la jeter pour le moment sur le Misbéach, jusqu'à qu'on va verser le sang sur d'abord on verse le sang sur le Misbéach, et seulement après on aura le droit de la disposer sur l'autel pour la faire brûler. Khatata Of. La Khatata Of, la volaille qu'on apporte en Korban Khatat, alors elle est la différence, on ne fait rien brûler sur le Misbéach, elle est entièrement consommée par les Kohanim. Donc justement, Dama Matir et Bessara la Kohanim. Le fait de verser son sang sur le Misbéach, va faire que maintenant les Kohanim pourront consommer sa viande. D'accord? Ensuite, Parim anisrafim us'irim anisrafin daman matir et emurehen likav. Très brièvement, on aura l'occasion dans le prochain périple d'en parler plus longuement. Il y a certains korbanot pour lesquels on fait entrer le sang dans le Echal et même dans le Kodesh Kodashim. Il y a les parim anisrafim, les vaches que l'on fait brûler. Les taureaux qu'on fait brûler, ou seirim anisrafim, les béliers que l'on fait brûler. Ça veut dire quoi qu'on les fait brûler? C'est-à-dire qu'on ne fait pas ensuite, qu'ils ne sont pas consommés par les Kohanim, et ils ne sont pas non plus entièrement offerts sur l'autel. On va juste retirer quelques graisses, on va les faire monter sur l'autel, tandis que tout le reste du korban, on va le prendre, on va le sortir en dehors de l'enceinte du Beth Amikdash, au Beth Adeshen, et on va le brûler là-bas. D'accord? Ouais, c'est très particulier pour les korbanot, pour lesquels on va faire entrer le sang à l'intérieur du Kodesh Kodeshim. Alors de ce fait, on a un petit problème technique. C'est que finalement, tu vas prendre le sang, tu réceptionnes le sang, tu le fais entrer dans le Echal ou dans le Kodesh Kodeshim, tu vas asperger sur le rideau
qui sépare le Kodesh HaKodashim du Kodesh. Et ensuite, apparemment, toute cette viande ne va pas être consommable. De ce fait, apparemment, de ce fait, est-ce qu'il y aura un interdit de pigoule sur cette viande ou sur les graisses ou sur quoi que ce soit, étant donné que la viande ne va pas être consommée? Réponse, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même quelque chose qui va être consommable, c'est quoi? C'est les quelques graisses, justement, que tu vas faire monter sur l'autel. C'est-à-dire, tu vas prendre un par helem d'abar chaltzibour. Vous vous rappelez qu'on étudiait au Rayot, là-bas, il y a un taureau qu'on va porter parce qu'on a tout le peuple d'Israël a fait une erreur à cause du Sanhédrin. On égorge le par, on récupère le sang, on va aller l'asperger dans le Kodesh, dans le Echal. Alors, si au moment où on va asperger le Echal, on se dit qu'on va offrir, qu'on va faire monter les graisses, on va les faire monter les graisses sur le Mizbeach le lendemain, alors on transgresse. On transgresse un interdit de pigoule. On est en train de rendre pigoule la vache par le taureau de la sorte. Et de ce fait, sur toutes les parts du taureau, il y aura un interdit de le consommer, un interdit sur lequel on sera possible de carrette, parce qu'on a réussi à le rendre pigoule. C'était clair? C'était pas compliqué du tout, d'accord? Ça, c'est la vie, donc on refait ça dans les mots. Pari manisratim, donc les vaches qui sont entièrement brûlées, parce qu'on fait entrer le sang à l'intérieur du Echal, et que ensuite toute la chair, on va aller la brûler à l'extérieur, au Bet HaDeshen. Et idem encore avec les Seirim, Anisrafim, les béliers que l'on brûle. Ça se retrouve plutôt soit Seir Avodazara, soit à Seir de Yom Kippour. Ouais, c'est deux fois dans l'année, c'est deux cas de figure où on fait entrer le sang d'un Seir, d'un bélier, à l'intérieur d'un bouc plutôt, pas d'un bélier. On dit le bouc émissaire. Ouais. Donc c'est deux occasions pour lesquelles on fait entrer le sang d'un bouc à l'intérieur du Echal, pour le verset. Et bien sache que Daman matir et emurehen likarev, le sang que tu vas verser, asperger à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, ou du Kodesh, alors va déclencher la permission de faire monter ensuite les graisses sur l'autel, donc il est possible de transgresser un interdit de pigoule sur un tel korban. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit que je ne suis pas d'accord avec la dernière partie que vous avez dit. Kol she'eno al mizbeach chitzon kashlamim, en chayavin alav mishum pigoul. Tout korban que l'on n'égorge pas, tout korban que l'on ne verse pas le sang sur le mizbeach chitzon, sur l'autel, le grand autel qui se trouve à l'extérieur du Echal, qui se trouve dans la Hazara. Ouais, d'accord, on avait expliqué qu'il y avait deux korbanot, le Mizbeach HaOla et le Mizbeach HaKtoret. Le grand Mizbeach, qui faisait 10 amot, qui était grand, qui faisait 32 amot, 16 mètres, avec une hauteur de 10 mètres, très imposant. Tout, d'accord, l'autel essentiel sur lequel on faisait les korbanot, à la différence du petit autel de l'encens, qui est à l'intérieur du Kodesh. Alors, Rabbi Shimon nous dit, tout korban, kol she'eno al mizbeach hachitzon, tout korban que tu ne fais pas sur l'autel externe, le grand autel qui se trouve dans l'enceinte du mizbeach, du Beth Amikdash, kashlamim, donc tout korban que tu ne fais pas là-bas, comme le din, comme la halakha l'implique pour le shlamim, pour les korban shlamim, en chayavin alav mishum pigoul, il n'y aura pas en eux un interdit de pigoul. C'est-à-dire, le Rabbi Shimon, il nous dit, c'est quelque chose de très simple, il nous dit, écoutez, dans la Torah, la source des lois de Shlamim, elle se trouve, des lois de Pigoul, se trouve dans un, on parle là-bas d'un Korban de Shlamim, puisqu'on parle d'un Korban Shlamim, il faut, alors on apprend par déduction, que tous les Korbanot pour lesquels on verse le sang sur le Mizbeach HaKitzon, alors il y aura en un interdit de Shlamim, tandis qu'un sang qui n'est versé que sur le, qui entre dans le Kodesh, ou dans le Kodesh HaKodashim, il n'y aura plus sur lui d'interdit de pigoule. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.